Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette conférence de l'Université de Lille, les études en psychologie. Donc cette conférence est organisée dans le cadre du Salon 2021 de l'étudiant, une édition en virtuel comme vous le savez. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler des études en psychologie. Pour ce faire, je suis accompagné de Claire Hofer, qui est maître de conférence en psychologie. Bonjour. Bonjour. Et de Christine Moroni, professeure des universités en psychologie. Bonjour. Bonjour. Après une présentation de 15 minutes environ, nous allons répondre à vos questions en direct, des questions que vous pouvez poser sur le chat de YouTube qui est situé à droite de votre écran si vous êtes sur un ordinateur ou en dessous si vous êtes sur un téléphone. Je vais tout de suite laisser la parole à Madame Hofer et Madame Moroni pour leur présentation. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Et bien du coup, moi aujourd'hui, je vais vous parler des études en psychologie. Alors, les études de psychologie, eh bien, elles se déroulent à l'UFR de psychologie, sur le campus de Pont-de-Bois, à Villeneuve-d'Ascq. Alors, qu'est-ce que c'est une UFR ? Une UFR, eh bien, c'est une unité de formation et de recherche. Et notre unité de formation et de recherche est composée d'environ 3000 étudiants qui sont inscrits en psychologie, dont environ 1300 étudiants en première année de psychologie. Nous avons aussi à peu près 80 enseignants-chercheurs qui sont répartis en deux laboratoires de recherche, le laboratoire Psytech et le laboratoire Scalab. Alors, vos études de psychologie, eh bien, elles vont commencer par 3 années de licence. Et cette licence, elle pourra vous amener ensuite à postuler en master, si vous le souhaitez. Donc, pour entrer en master, il faudra passer une sélection qui est faite en fonction d'un dossier et en fonction d'une audition. Et puis après de deux ans de master, si vous le souhaitez aussi, vous pourrez aussi décider de poursuivre en doctorat de psychologie si vous êtes particulièrement intéressé par la recherche en psychologie. Alors, quels sont les objectifs des enseignements en licence et en master? Alors, en licence, on va vouloir vous donner les bases des connaissances dans les différentes sous-disciplines de la psychologie. Et puis, ce qu'on va vouloir aussi, c'est vous faire découvrir un petit peu toutes les méthodes de cette discipline. Donc ça va être par exemple les techniques d'entretien, les statistiques, etc. Quand vous allez ensuite arriver en master, eh bien les enseignements vont devenir là plus spécialisés. Et une fois que vous aurez validé les enseignements en master et 500 heures de stage, eh bien vous pourrez obtenir le titre de psychologue. Alors comme vous le voyez, du coup, les cours des 3 premières années sont plutôt assez généraux, même si la deuxième année de psychologie va vous permettre de commencer à faire un petit peu des choix au niveau des options. Alors, l'année universitaire, elle va être divisée en 2 semestres. Le premier semestre, qu'on va appeler aussi semestre impair, qui va courir de septembre à mi-janvier. Et puis le deuxième semestre, qui est le semestre pair, qui va courir de mi-janvier à fin juin. Chaque semestre va être composé de 12 semaines de cours et puis d'une période d'examen à la fin du semestre. Alors, en partie parce que la psychologie, ce n'est pas vraiment une matière qui est enseignée au lycée, c'est parfois du coup difficile pour vous d'imaginer un petit peu quel peut être le contenu de cette formation. Donc du coup, on va vous donner un exemple ici des enseignements lors de votre première année de psychologie pour avoir un petit peu une idée un petit peu plus claire de ce à quoi correspond un petit peu cette formation. Donc vous allez découvrir différentes sous-disciplines de la psychologie à travers des enseignements, des unités d'enseignement qu'on va appeler UE, fondamentales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple vous allez avoir des cours en psychologie cognitive. Donc qu'est-ce que c'est la psychologie cognitive? Vous allez aborder un petit peu des grandes fonctions psychologiques comme la pensée, le langage, les émotions, la mémoire, etc. Vous allez aussi avoir des cours en psychopathologie. Donc en psychopathologie, vous allez vous intéresser aux troubles psychopathologiques, par exemple la dépression, la schizophrénie, etc. Vous allez aussi avoir des cours en psychologie du développement. Donc ça va être un petit peu s'intéresser au développement moteur, au développement cognitif, au développement socio-émotionnel, tout au long de la vie. Et puis vous allez avoir aussi des enseignements en psychologie sociale. Vous allez vous intéresser par exemple à l'altruisme, à l'agressivité, aux préjugés,
aux relations stéréotypes, aux relations intergroupes, aux relations interpersonnelles. Et puis, en première année psychologie, vous aurez aussi des cours en histoire et épistémologie, mais ce sera seulement pour la première année de psychologie. Vous aurez aussi des enseignements autour des méthodes et puis des outils en psychologie. Donc, par exemple, la méthodologie en psychologie, comme les techniques d'entretien, les questionnaires, etc. Tout ce qui va être statistique appliquée à la psychologie, qui sont essentielles pour comprendre les résultats des études en psychologie. Et puis, vous aurez aussi des cours de biologie et des cours de langue. Probablement, pour la majorité d'entre vous, ce sera de l'anglais. Et puis, vous aurez aussi des cours qui vont être des cours plutôt hors psychologie, qui vont vous aider un petit peu à former votre projet étudiant et puis à vous ouvrir à d'autres cours hors psychologie. Alors, de manière générale, les enseignements de licence sont regroupés en BCC. Des BCC, c'est des blocs de connaissances et de compétences. Et chaque année, vous allez retrouver des cours dans les BCC, le BCC fondamental, donc psychologie cognitive, psychopathologie, psychologie du développement, psychologie sociale. Chaque année, aussi en licence, vous aurez des cours de méthode et des outils en psychologie. Chaque année, vous allez retrouver aussi des cours de langue et chaque année de licence, vous retrouverez aussi des cours autour de votre projet, votre personnalisation de parcours. À partir de la deuxième année, donc à partir de la L2, vous allez pouvoir commencer à choisir un petit peu des options d'approfondissement ou de découverte d'autres sous-disciplines de la psychologie. Et donc là, ici, vous voyez quelques exemples. Hein. Par exemple, en L2, vous allez pouvoir commencer à choisir de découvrir, par exemple, la neuropsychologie ou la psychologie des émotions, la psychologie de l'éducation, la psychologie interculturelle, la psychologie du travail, etc. Donc, d'autres sous-disciplines de la psychologie. Et puis, à partir de la L3, il y a aussi un nouveau BCC, qui est l'exploitation de données au cours duquel vous allez réaliser un mémoire. Alors, les enseignements en licence se déroulent via des cours magistraux, ou CM, qui vont être en grand groupe, en amphi, avec plusieurs centaines d'étudiants. Et puis, des travaux dirigés, ou TD, qui vont être en petits groupes hein, d'environ 50 étudiants. Il faut compter à peu près entre 20 et 25 heures d'enseignement par semaine, mais beaucoup de travail à côté et un travail personnel important à fournir à la maison et, ou à la bibliothèque en fonction de ce qui vous convient. Mais c'est important de bien comprendre que pour chaque heure de cours, vous avez besoin de fournir un certain nombre d'heures de travail personnel à côté. Donc ça demande beaucoup de travail. Au niveau de l'évaluation des UE, donc des unités d'enseignement, l'évaluation va se faire en même temps par contrôle continu, qu'on va appeler CC, et par contrôle terminal, qu'on va appeler CT. Pour les contrôles terminaux, il y a toujours deux sessions d'examen, c'est-à-dire que vous avez une session d'examen à la fin du semestre, qu'on va appeler la session 1, et puis vous aurez une session de rattrapage à la fin de l'année, si vous en avez besoin. Pour valider votre année, votre première année de L1, de psychologie, vous allez devoir valider tous les BCC, tous les blocs de connaissances et de compétences. Ça veut dire que vous devez obtenir la note de 10, une moyenne de 10 ou plus à chaque BCC pour chaque semestre. D'accord ? Donc à l'intérieur d'un BCC pour un semestre, vous allez pouvoir compenser vos matières, mais il faut que la moyenne soit égale ou supérieure à 10. Alors, en complément des enseignements, vous aurez aussi accès à la plateforme pédagogique Moodle de l'université, qui est une plateforme extrêmement importante, non seulement pour avoir accès au contenu, par exemple les PowerPoints que les enseignants peuvent mettre en ligne, mais aussi au niveau notamment de votre première année psychologique, vous allez trouver sur Moodle toutes les informations sur l'organisation de votre année, vous allez pouvoir vous inscrire aux examens, vous inscrire aux groupes. Vous allez avoir des liens pour passer certains contrôles continus. Enfin, ça va être une plateforme extrêmement importante tout au long de vos études de psychologie.
Et puis, on vous encourage aussi à aller voir le guide des études, parce que sur le guide des études, vous avez plein d'informations sur, sur les cours et sur le déroulement de vos études de licence de psychologie. Alors, une question qu'on a souvent, c'est quels sont les prérequis pour arriver, pour aller en psychologie. Donc, un des prérequis extrêmement importants, c'est d'avoir un intérêt pour les sciences humaines et pour les disciplines scientifiques. D'accord ? La méthode scientifique, elle est extrêmement importante pour comprendre et pour faire de la recherche en psychologie. Et en psychologie aussi, eh bien, on va partir d'hypothèses et on va tester nos hypothèses avec des expériences, des études. Donc la méthode scientifique, c'est essentiel d'avoir un intérêt pour la méthode scientifique pour venir en psychologie. On vous demande aussi d'avoir de bonnes compétences en français. Vous allez devoir rédiger des mémoires, vous allez devoir produire des textes scientifiques, donc il est essentiel d'avoir de bonnes compétences en français. On vous demande aussi d'avoir un bon niveau en anglais, parce que la majorité des résultats des recherches en psychologie sont publiées dans des journaux scientifiques en langue anglaise et que vous devez être capable de les lire, de les comprendre. Alors particulièrement au fur et à mesure que vous allez avancer, à partir de la L2, on va de plus en plus vous demander de lire des articles en anglais. De bonnes connaissances en mathématiques et en biologie sont également nécessaires. Vous avez vu que parmi les cours, on va retrouver chaque année, chaque semestre, des statistiques et de la biologie. Alors, au niveau des prérequis au niveau du bac, tous les titulaires du bac peuvent s'inscrire en licence de psychologie, mais le bac général est recommandé et le bac S est un atout. Alors, sur quoi est-ce qu'on se base pour dire ça? Eh bien, on se base sur les taux de réussite par série de baccalauréat. Donc sur ce graphique, vous voyez ici, je ne sais pas si ça marche la souris, non. On voit ici sur ce graphique les pourcentages de réussite en L1, donc en première année, hein, en fonction du bac obtenu. Et comme vous le voyez sur le graphique, même s'il est tout à fait possible de réussir avec n'importe quel bac, il est plus probable de réussir quand on a un bac général, hein, le bac L, bac ES ou bac S, et particulièrement si on a le bac S. Alors, cependant, si vous êtes vraiment motivé par la psychologie et que vous n'avez pas, par exemple, un bac S, mais que vous êtes prêt à travailler, que vous êtes vraiment motivé et intéressé par la psychologie, pas de souci, d'accord? Vous pouvez vraiment bien travailler et vous avez aussi des chances de réussir. Et notamment si vous pouvez, par exemple, suivre du tutorat où on a des services qu'on propose comme le tutorat qui peuvent aussi vous aider à réussir. On a le parcours WISI oui, également. Je vais en parler effectivement juste après, tout à fait. D'accord. Donc on a des dispositifs voilà, qui peuvent vous aider si vous êtes motivé mais que vous avez certaines difficultés. Alors j'allais tout à fait parler de certains parcours particuliers et notamment du parcours WISI parce qu'il est possible que Parcoursup, vous soyez placé dans le parcours WISI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes placé dans le parcours WISI, ça veut simplement dire qu'on a identifié que vous pourriez bénéficier de cours de remédiation en biologie et en mathématiques pour favoriser votre réussite en première année de psychologie. Donc, vous allez suivre les mêmes enseignements que tous les autres étudiants de psychologie. Simplement, vous aurez majoritairement avant le début des cours, en septembre, vous aurez des cours de remédiation en plus, en biologie et en mathématiques, qui vont vous aider à mieux suivre les enseignements de psychologie et à favoriser votre réussite en première année de psychologie. Et puis, très rapidement, parce que je sais qu'il va y avoir une conférence là-dessus, mais très rapidement, je voulais juste aborder le parcours santé avec PASS et LAS, parce que certains d'entre vous souhaitent entrer en PASS et en LAS et combiner un petit peu la psychologie avec le parcours santé. Donc là, vous avez un petit peu deux choix. Soit l'option plutôt PASS, c'est-à-dire que vous allez être principalement dans le parcours santé, mais vous allez suivre aussi quelques UE en psychologie. Soit l'option plutôt licence accès santé,
vous allez être inscrit majoritairement en psychologie et suivre la majorité des enseignements de psychologie, mais vous aurez aussi quelques UE, donc 4 UE en santé. Alors, à la fin de votre troisième année de psychologie, vous allez pouvoir postuler sur un master en psychologie. Et ici, à l'Université de Lille, on propose 10 parcours de master de psychologie qui sont très variés. Vous avez la liste ici, hein, ça va aussi bien de la neuropsychologie aux thérapies comportementales et cognitives, la psychologie et justice, psychologie et travail, etc. D'accord ? Vous avez une liste variée de différents parcours en psychologie. Alors, une fois que vous êtes diplômé, vous pourrez envisager de travailler comme psychologue dans différents domaines. Donc, par exemple, vous pourrez choisir de travailler plutôt dans des établissements de santé. Donc, par exemple, en hôpitaux, dans des cliniques, en EHPAD, dans différents services, des services plus de neuropsychologie ou des services plus de gérontologie, des services de psychiatrie. Vous pourrez aussi travailler plutôt en exercice libéral. Vous pourrez choisir de travailler plutôt dans des structures sanitaires et sociales, comme par exemple des CMP, les centres médico-psychologiques, l'aide sociale à l'enfance. Vous pourrez travailler plutôt dans la justice, par exemple dans la protection judiciaire de la jeunesse ou dans l'administration pénitentiaire. Vous pourrez travailler plus dans la formation, dans l'orientation, en devenant par exemple psychologue de l'éducation nationale. Vous pourrez travailler plus dans les ressources humaines, en tant que par exemple psychologue du travail, là aussi en fonction de votre master et des compétences que vous aurez acquises. Et puis vous pouvez aussi choisir de continuer en recherche et de continuer vers un doctorat pour travailler plus. Pour être enseignant-chercheur. C'est ça par exemple, tout à fait. Donc voilà. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas, bien sûr, à regarder le site internet de l'université, le guide des études de la licence en général, hein, et notamment plus au niveau de la première année de psychologie. Il y a une association, l'APSIL, l'Association de psychologie lilloise étudiante, qui peut aussi vous apporter beaucoup d'informations, et notamment au début de vos études de psychologie, qui sera très importante. Vous pouvez aussi contacter le secrétariat de la première année de psychologie. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à contacter le service d'orientation de l'université, le SUAIO. Voilà, merci de votre attention. Merci à vous. Alors, pour la porte d'entrée pour accéder à tous ces sites internet, c'est bien univ-lille.fr. Vous accéderez facilement à l'ensemble des sites internet que vous avez pu voir il y a quelques instants. Merci beaucoup pour votre présentation. Je rappelle que je suis accompagné de Claire Hofer, qui est maître de conférence en psychologie, de Christine Moroni, qui est professeure des universités en psychologie. Je vous rappelle également que vous pouvez nous poser vos questions sur YouTube. N'hésitez pas, on est là pour y répondre. Et d'ailleurs, les premières questions nous sont arrivées. Une question de Marie notamment. Les bacs S, ES, L n'existent plus. Quelle spécialité faut-il avoir fait en terminale ? Alors là, on va très gêner pour répondre parce que, bah, comme vous, on va découvrir ces nouveaux parcours en lycée. Et quand Claire vous a parlé des bacs généraux, des bacs L, ES et scientifiques, c'est un petit peu pour vous donner un profil des formations dont on a besoin, ou en tout cas qui ont été identifiées à l'entrée de la psychologie. Et de ce fait, on n'a pas réadapté, je suis tout à fait d'accord, notre propos, mais on voulait vous montrer une illustration des disciplines importantes au lycée, pour pouvoir accéder. Donc, c'est sûr que une majeure, alors je ne sais plus exactement, je m'en excuse, je ne sais pas comment ça s'appelle au lycée, hein, mais une discipline fondamentale, hein, pourquoi, voilà, en sciences, en mathématiques, donc en EIST, je crois, ou en mathématiques ou en français, c'est des parcours qu'on a un peu ciblé comme étant ceux qui ressemblent le plus aux anciens bac S, ES et L, voilà.
Oui, puis en effet, il faut savoir que cette réforme est très récente. Donc nous, dans nos statistiques, nous n'avons pas encore pu intégrer la nouvelle réforme du lycée dans nos statistiques, parce que vous comprenez bien que les étudiants qui arrivent aujourd'hui sont encore des étudiants qui ont fait les bacs S, ES, pardon, L et toutes les autres spécialités. Par contre, du coup, par exemple, Charlotte réagit à ce que vous dites. Elle nous dit qu'elle est en première et qu'elle a comme spécialité maths, physique, SVT. Est-ce qu'elle doit garder ce type d'option pour la terminale, justement, pour avoir de meilleures chances de réussite par la suite ? Alors, moi, je suis très embêtée pour dire « vous devez faire ça » ou « vous ne devez pas faire ça ». Le but, c'est d'avoir votre bac et de faire des choses qui vous intéressent. Et ce n'est pas Claire qui va me démentir sur la motivation. Il faut que la motivation soit le moteur de vos études. On incite de plus en plus à l'université à vous accompagner dans la construction de votre parcours professionnel. Et ce n'est pas pour cela qu'en compte tenu de ce fait, on ne va pas vous dire « il faut à tout prix faire ça, ça et pas ça ». Il faut construire et nous, on sera là pour vous aider. Donc oui, si sur les trois disciplines de première, il y en a une qui vous intéresse moins, il y en a une où vous avez des moins bonnes notes et encore une fois, l'objectif à court terme est d'avoir le bac, choisissez celle où vous êtes le plus à l'aise, non pas le plus performant, mais le plus à l'aise pour réussir vos études. Merci beaucoup. Effectivement, ça répond à pas mal de questions qui sont arrivées sur le chat sur les options à choisir ou non. Vous venez d'y répondre. Merci à vous. Une autre question qui concernait plutôt Parcoursup. Comment va s'opérer un petit peu la sélection des dossiers ? Tout à l'heure, on a parlé des prérequis. Comment ça se passe, en fait, finalement, sur cette sélection de dossiers ? Alors là aussi, je vais vous répondre sur nos expériences antérieures de la commission Parcoursup. Nous sommes toutes les deux partie prenante dans cette commission Parcoursup. Il n'y a pas de refus, il y a un classement qui est établi. Donc chaque futur étudiant recevra un classement de oui, un classement de oui si, et il ne recevra pas un classement en lui disant non, ça c'est sûr. Hein, chaque année, nous avons à classer entre 7000 et 8000 candidatures. L'année dernière, nous étions à 8500 candidatures. On fait un classement en oui et en oui si. Voilà, c'est un classement, on prend en considération plusieurs informations, les notes, le projet professionnel de l'étudiant et ce vers quoi il veut aller. Alors, on va continuer sur le thème de la sélection, puisqu'il y a aussi une question… Alors, je suis embêtée déjà avec vos thèmes de sélection, d'accord, puisque normalement, nous n'avons pas à faire de sélection. L'accès en licence, c'est le bac. D'accord. S'il y avait une sélection, pourquoi je vous dis que je suis embêtée avec la sélection, oui. C'est que s'il y avait une sélection, on dirait non. Or là, on dit non à personne. Là, ça concernait plutôt la poursuite d'études après vers le master. D'accord. Où effectivement, il y avait une question sur comment faire après la licence pour accéder au master. Et justement, y a-t-il à ce moment-là une nouvelle étape à franchir finalement ? Alors, il y a une étape à franchir qui est assez importante. Je ne suis même pas sûre, encore une fois, qu'on a le droit de dire sélection, mais là, cette fois-ci, il y aura bien un non. Et il faut la construire progressivement sur les 3 années. C'est-à-dire que, comme Claire vous a présenté tout à l'heure, il y a plusieurs parcours de master. Nous avons une dizaine de parcours. Et à partir de la L2, on va proposer aux étudiants des options. Et c'est en fonction de ces options qu'on construit progressivement notre dossier de candidature pour un ou deux parcours. On ne va pas vous inciter à ne choisir qu'un seul parcours dès la L2. Vous aurez toujours un éventail d'options qui va vous permettre de pouvoir candidater au moins à 2 parcours ici à Lille. Et bien évidemment, vous pouvez tout à fait candidater à des parcours de master ou à des masters d'autres universités. Merci beaucoup. Alors, une autre question concernant un peu le parcours d'études de Mélina. Bonjour, peut-on changer de domaine d'activité au cours de notre carrière ? Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Si c'est... oui, alors il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Hein. Moi, je suis un bon exemple de ça. Par exemple, j'ai été psychologue pendant une dizaine d'années. Pendant ces 10 années, j'ai fait une thèse et j'ai été après enseignant-chercheur pour maintenant être toujours enseignant-chercheur. Mais donc oui, on peut changer. Et le métier de psychologue...
n'est pas prédéfini par 5 ans. Et on a l'habitude de dire que ce n'est pas les 5 ans d'études qui vont en faire un psychologue et un seul. Ce qui est important, puisqu'on est sur l'étude de l'être humain, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, en constant mouvement. Ce qui est important, ça va être aussi une formation tout au long de la vie. Et en ça, l'UFR présente et propose plusieurs DU, donc diplômes universitaires, pour compléter sa formation. Donc du coup, une question de Sarah désormais. Peut-on commencer en L1 dans une université et changer d'université pour accéder à un master? Sommes-nous prioritaires pour un master si nous venons de l'université qui propose le master? Ce qui est important, c'est le parcours. Ce n'est pas l'université d'origine. Le programme et les maquettes, ce qu'on appelle les maquettes, donc la structure d'enseignement qui est proposée par chacune des UFR, des composantes de psychologie, est spécifique à chaque université. D'accord ? Comme vous a présenté Claire, en licence, notamment en L1, on a des fondamentaux. Donc, c'est des choses qui vont être à peu près communes à toutes les universités, à toutes les UFR, les composantes qui proposent une licence de psychologie. Après, il n'est pas inhabituel que des étudiants qui ont commencé dans une université vont candidate dans une autre université pour leur master. On a aussi beaucoup de transferts de dossiers entre la L1, la L2 et la L3 d'une université à une autre université. Ce qui est important, c'est surtout d'essayer assez rapidement de comprendre, d'identifier vers quel type de métier du psychologue, vers quel type de psychologue on a le plus d'attrait. Nous n'avons pas parlé ici, mais en L3, il y a aussi la possibilité, donc en L3, en troisième année, il y a aussi la possibilité de faire des stages pour découvrir le terrain. En L2 et en L1, il y a tout dans ce que Claire vous a présenté sur, j'ai oublié le terme, mais c'est l'UE professionnalisation. Projet de l'étudiant. Projet de l'étudiant, merci. Il y a un contenu qui va vous aider à découvrir les différents métiers des psychologues pour vous permettre progressivement à aller vers un domaine qui vous intéresserait plus qu'un autre. Effectivement, la question des stages était une question qui revenait aussi régulièrement, savoir s'il y avait des stages prévus dans les études. Vous venez d'apporter des éléments de réponse sur le sujet, merci à vous. Sarah nous demande, la réorientation est-elle possible ou simple après une licence 1 de psychologie ? Là aussi, nous avons fait énormément de progrès sur l'offre de formation. Dans cette fameuse UE, projet de l'étudiant, on propose différentes options pour aller découvrir d'autres disciplines, d'autres métiers. Notamment, il y a au deuxième semestre, le semestre qui va commencer, dans cette UE de projet de l'étudiant, il y a des options qui vont permettre de découvrir différentes choses, je pense au métier de la santé, je pense à l'économie, je pense à différents domaines qui ne sont pas si éloignés de la psychologie ou en tout cas qui jouent à peu près sur les mêmes appétences, les mêmes envies, le même besoin qui peuvent conduire aux études de psychologie. Donc ça, c'est proposé à la fin de la L1 et après, oui, on peut se réorienter. Merci beaucoup. Nous avons une question de Marine qui nous demande de réexpliquer la différence entre le parcours PASS et LAS et dans quel cas privilégier l'un ou l'autre. Là, je vais me permettre de répondre puisque nous avons une conférence qui est disponible en replay sur la page YouTube de l'université qui est très complète sur les parcours PASS et LAS. Allez sur la chaîne YouTube de l'Université de Lille et vous retrouverez la conférence PASS-LAS des études. Elle s'appelle « Accéder aux études de santé à l'Université de Lille ». Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais globalement, je pense que la conférence répond à l'ensemble des questions. Ça sera plus clair que... Oui, merci. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous avant de nous quitter, de savoir si vous avez un conseil, peut-être d'ordre général, plus personnel, ou un conseil lié aux études de psychologie, à donner aux étudiants, aux lycéens, qui cherchent à s'orienter aujourd'hui. Eh bien, de bien s'informer. De bien avoir entendu ce sur quoi Claire a beaucoup insisté, c'est que les études en psychologie reposent aussi sur une démarche scientifique. Ce qui ne veut pas dire qu'on exclut les gens qui ont un bac littéraire, absolument pas. Et d'ailleurs, on a ce fameux parcours WISI pour permettre aux étudiants une remise à niveau.
Je ne veux pas dire que si vous n'êtes pas bon en sciences, ne venez pas, absolument pas. Si vous n'êtes pas bon en sciences et que vous venez, soyez juste averti du fait qu'il faudra peut-être un peu plus travailler ces disciplines-là, mais que ces disciplines-là seront incluses dans les études de psycho. Il ne faut pas en avoir peur, parce qu'on met en place des dispositifs pour vous aider, mais il ne faut pas dire « oh ben, ça ne m'intéresse pas ». Non, elles sont obligatoires. On doit passer par là et on fera tout pour vous aider. Il faudra que vous soyez prêts à mettre un peu plus d'énergie dans ces disciplines-là. Merci pour ce mot de la fin. Merci Claire Hofer pour votre présentation. Merci Christine Moroni pour la présentation et la réponse à l'ensemble des questions aussi également. Merci Claire Hofer. Nous allons nous quitter. Je remercie également l'ensemble des internautes qui nous ont suivis ce matin. La technique est audiovisuelle pour la retransmission directe et les équipes de l'université pour l'organisation du Salon de l'étudiant. Je vous rappelle que cette conférence sera disponible en replay tout de suite après ce direct. Vous allez pouvoir la visionner autant que vous voulez, la partager avec vos amis, votre famille, qui vous voulez, toute personne intéressée par les études en psychologie. Je vous rappelle également les dates des journées portes ouvertes. Vendredi 29, samedi 30 janvier 2021, venez aux journées portes ouvertes en virtuel. Ne venez pas sur les campus, venez sur Internet. Un site Internet à connaître, jpo.univ-lille.fr. Et je terminerai par les réseaux sociaux de l'université. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ce que vous voulez, pour rester informé de toute l'actualité de l'Université de Lille. À très bientôt, bonne journée à vous et bon week-end.